tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc une vidéo produit fini. C'est une vidéo qu'à chaque fois je dois vous faire, qu'à chaque fois le bac se remplit, qu'une vidéo dure une éternité, qu'au final je ne sais plus si j'ai aimé ou pas aimé les produits. Voilà. Et là enfin je vais filmer cette vidéo au bout de 1 an et 3 mois sur YouTube. Bon, entre deux il y a eu beaucoup de bacs de jeter, je vous avoue. Et voilà. On va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal d'articles. Pour commencer, il y a ce gel douche de chez Action, la collection Disney. L'odeur a été bonne, j'ai rien à redire. Il m'a lavé, j'étais propre avec, voilà. Si je le revois, non, je le rachèterai pas. C'était gadget, c'était pour le packaging, etc. Mais ça lave, c'est le principal. Après, ce masque-ci de chez Action. J'adore les masques de chez Action, mais celui-là, je ne l'ai pas aimé. Horrible, c'est au concombre, ouais. Horrible, 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 il dégoulinait, j'ai l'impression que je sais pas, ça dégoulinait, ça coulait, ça coulait, ça coulait, au bout de 3 minutes je l'ai retiré, il était vachement liquide, je sais pas si cette gamme là, ils sont vachement, enfin pas cette gamme là, celui-ci il est vachement liquide, ou juste qu'il y avait beaucoup de produits sur le masque, et du coup bah, ça dégoulinait, c'est désagréable, au bout de 3 minutes je l'ai retiré. Le démaquillant de chez Yves Rosset, le pur bleuet. Je l'adore, donc ça c'est quelque chose que je rachèterai. Le démaquillant waterproof au micellaire plus huile de chez Sephora. Donc c'est celui qui a du maquillant et juste ça, il y a du biphasé. Je l'ai beaucoup aimé, je l'avais acheté pendant les soldes. Si un jour je tombe dessus, oui, je le reprendrai, il était top top top. Après j'ai ce micellaire waterproof démaquillant, les yeux biphasés micellaires de chez Nivea. Je ne l'ai pas aimé. Je ne l'ai pas aimé. En plus, c'était une promo. J'en avais 3. Je ne l'ai pas aimé. Démaquille pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas aimé. Démaquille pas grand chose et tout. Au niveau des yeux, c'était pas top, 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 top. Donc, je ne le rachèterai pas. Là, c'est une miniature du démaquillant Cyan de chez Lidl. Je l'ai beaucoup aimé, ça je le rachèterai, il n'y a aucun souci. Il est top, je le rachèterai. Il y a ce gel douche parfumé de chez Adop, Mademoiselle Bloom. Écoutez, j'ai beaucoup aimé, c'est la première fois que j'ai testé les gels douches Adop. Il avait, j'étais propre, je sentais bon. Je pense que je le rachèterai. Je l'avais acheté en promo, mais aussi à les soldes. J'irai, en plus, c'est un deuxième Adop qui vient d'ouvrir à côté de chez moi. Pour celles qui habitent au niveau de Tourcoing ou quoi, au Champ-Ronc, il y a Adop maintenant, je ne savais pas. Maintenant je le sais. Pour ceux qui ne savent pas, bah, je vous le dis, il y a Adop à côté de Claire's. Donc voilà, du coup j'ai un deuxième Adop à côté de chez moi pour aller dépenser des sous. J'ai ce gel douche Adop, douche crème en France au parfum des orangettes. Il sent trop trop bon, il sent le chocolat, il sent l'orangette, il n'y a aucun souci. Cela par contre, je ne les trouve qu'à Action et à chaque fois que j'ai Action, j'en rachète. Donc ça, c'est quelque chose que je rachète tout le temps. Après, j'avais cette huile spéciale Concomber Lotion, c'est de chez Mario Basescu. C'était une routine spéciale pour l'acné, pour les boutons. Écoutez, ce kit, je l'avais acheté l'année dernière au Black Friday sur Beauty Bay. Il avait fait son effet. Franchement, il avait fait son effet. Je voyais quand je n'utilisais plus ces produits que l'acné revenait. Franchement, c'était très très efficace pour cette. Je le recommande. Je le recommande franchement. Moi, j'ai vraiment vu une différence. Là, j'ai changé un petit peu pour mon teint, j'ai changé ma routine. Pour l'instant, ça fait une semaine et demie que je n'ai pas de bouton. J'ai quelquefois un petit bouton qui apparaît, mais 24 heures après, il n'est plus là. Mais j'ai plus les gros boutons qui mettent 3 jours à disparaître. Pour l'instant, je n'ai plus de soucis avec ma routine actuelle. J'ai ce fond de teint L'Oréal Accord Parfait que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est quelque chose que je rachèterai, il n'y a pas de souci. Petit prix, top. Vous vous trouvez à Auchan, prix de VAT, un petit peu partout dans les supermarchés. Il est top, top, top. Niveau couvrance, niveau tenue, pour moi, c'était excellent. Je n'ai rien à dire, donc ça, je peux vous le recommander. Encore un fond de teint de le Infaillible 24 heures. Non, ça, je ne l'ai pas racheté. C'est la deuxième fois que je le rachète. Lui, par contre, il est top. Il est top, top, top. Pareil, ça, c'est un fond de teint que je vous recommande à petit prix qu'on peut trouver partout. Ça, franchement, de toute façon, tout le monde le recommande. Donc, moi aussi, je m'y mets. Je vous recommande aussi. Après, encore un fond de teint. J'ai fini des fonds de teint, hein, moi aussi.
Celui de chez Elleger, le Pro Couvrance HD. Je l'avais acheté l'année dernière lors des Black Friday sur GoTibet. J'ai racheté la même cette année, une teinte en dessous. Il est beaucoup mieux, celui-là était beaucoup trop foncé. Mais je l'adore. Je vous avoue qu'à l'ouverture, il pue. Il pue pour un petit moment. Je sais pas, il pue l'essence, le gazole, tout ce que je voulais. Tout ce que vous voulez, mais il sentait pas bon. Mais sinon, je l'adore niveau couvrance, niveau tenue. Je n'avais rien à retirer là-dessus. Après, bouquet surprise et ce gel moussant pour les mains. Écoutez, il avait bien mes pinceaux. Je m'en servais principalement, c'était pour laver mes pinceaux. Là, j'en ai eu un deuxième aussi. Pareil, je m'en sers pour laver mes pinceaux. Mais aussi pour laver les mains. Écoutez, un pouche-pouche pour laver les mains. Les mains sont propres, ça lave, ça sent bon. Donc voilà, j'ai rien à dire de spécial sur ce produit. J'ai ces deux masques pour les cheveux de chez Action. Celui à la noix de coco, je l'ai adoré. Mais celui-là, mango, je l'ai pas aimé. J'ai vu aucune différence, franchement. Celui-là, en ce moment, j'en trouve plus à Action. Mais si j'en retrouve, je reprendrai 69 centimes. A savoir, moi, les soins comme ça, ils les appliquent sur cheveux mouillés pendant 5-10 minutes. Sauf que moi, non, je ne fais pas ça. Je les applique sur cheveux secs. Moi et mon cheveu sur la langue, nous avons du mal à parler. Sur cheveux secs, et je l'appliquais genre le vendredi soir, je l'appliquais à ça à 5h et je le retirais au soir à 20h, 21h quand je prenais ma douche. Du coup, on est obligé de faire de lavage de cheveux pour dire tout enlever. Bon, maintenant, si je le rachète, je pourrais faire la moitié vu que j'ai tout coupé. Donc voilà, il est top, top, top. Franchement, je suis restée 5 jours. Pendant 5 jours, mes cheveux, ils étaient beaux, ils étaient brillants, ils étaient doux. J'ai fait que ça de les caresser et pendant 5 jours, je n'ai pas eu besoin de les laver. D'habitude, je fais ça de les caresser le soir même, le lendemain, je peux les laver. Et là, je n'ai eu aucun souci. Donc, franchement, moi, si j'en vois, j'en reprendrai. J'ai vu, franchement, une claire, nette différence. Claire, nette différence, ça ne veut rien dire. J'ai encore ceci de chez Action, un masque, il fallait mélanger et tout. De toute façon, celui-là, je le pas. C'est moi qui n'ai pas aimé. Ça fait un effet slime, comme si on mettait du slime sur le visage. J'ai pas aimé la texture, j'ai pas du tout aimé. Donc moi je le recommanderais pas parce que j'ai pas aimé, c'est la texture et tout que j'aime pas. Donc si vous n'aimez pas les textures un peu slime, etc. gluante, je le déconseille, mais je l'ai pas trop aimé. De toute façon je le rachète pas, puis je le rachèterai pas, puis de toute façon ils en font plus. Donc voilà. Après, j'ai des fossiles. Les fossiles de chez W7, j'ai une paire que j'ai tellement mis qu'elles sont mortes. Je pourrais pas vous dire c'est lesquelles, car il n'y a pas de nom derrière. Mais les fossiles de CW7, je veux dire, chaque fois, je les paye 2,99€ sur le site de Maquillaya. Ils sont top, je peux faire que vous les recommandez. De toute façon, à chaque fois, j'en rachète, donc voilà. J'ai des fossiles de chez Colourpop, c'est la référence balai, pareil, je ne sais plus, ils sont morts et tout, mais franchement, ils étaient top. Il va falloir que j'en rachète. De toute façon, les fossiles que j'aime bien, je les mets dans une petite boîte, comme ça, quand je fais des commandes, ben, je sais lesquels que je dois recommander. Après, il y a ceci de chez LH Place, il en reste un à l'intérieur. C'est mes chouchous, je ne les sens pas, ils sont discrets, ils sont légers. C'est les fossiles que je peux mettre tranquillement par le travail car ça ne se voit pas, ça reste discret. Enfin ça reste discret, on voit qu'on a quelque chose, des cils, mais ça reste discret comparé aux grands fossiles qui font ça. Donc voilà, ceux-là moi je les aime beaucoup. J'avais ce masque à la pastèque pour le visage de ces Sephora. Est-ce que je t'ai aimé toi? Je crois que oui, je l'avais apprécié. C'est pour hydrater la peau. Désaltérant repulpant. Ouais, hydrate immédiatement la peau, durablement la peau, désaltérer, tonifie. Ouais. Oui, je l'ai bien aimé. J'ai lait corps pour la douche à l'abbaye d'Akai et lui de Maracuja. Je l'ai eu à mon anniversaire, je crois, pour mes 27 ans, je crois. Je me suis seulement mis à l'utiliser. Donc voilà, est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. J'ai l'impression que pour les corps, ça sert à rien. Je vois aucune différence. Enfin, avec celui-là, j'ai vu aucune différence. Et je commence seulement à mettre du lait sur mon corps, sous la douche, faire des petits gommages et tout. Donc je commence seulement à y mettre. Peut-être que par la suite, c'est quelque chose que je vais aimer, mais pour l'instant, je le rachèterai pas. J'en ai un autre aussi que j'avais eu de chez Nocibé, pareil, que j'avais pas aimé, donc c'est Nocibé. Je sais pas si j'avais une belle crème pour le corps à conseiller à mettre sous la douche, voilà. Il y a ce gel douche parfumé qu'ils avaient, de Yves Rocher, qu'ils avaient sorti cet été. Il sentait bon.
Ils sentaient bon. S'ils leur font, je leur prendrai. Je pense pas, sauf si je le trouve en solde ou quoi. Peut-être que je leur prendrai, mais ils sentaient bon. Il était bien. Il était bien. Des cotons-tiges. Je sais pas pourquoi j'ai mis des cotons-tiges dans les produits finis. C'est des cotons-tiges. Écoutez, mes oreilles, elles étaient propres. Je crois que c'est de chez Action. Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, mes oreilles, elles étaient propres. Des cotons-tiges. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Mais... Après, j'ai un crayon à sourcils de chez Benefit. Lui, de toute façon, je l'ai pas utilisé. C'est juste la mienne qui a cassé. Donc, là, c'est poubelle. Tu vas pas là. Il y en a un, j'ai cassé la mine. J'ai oublié, puis il est resté l'eau pour rien. J'ai cassé la mine. Et il y en a... Donc, il y en a un que j'ai fini. Il y en a un que j'ai cassé la mine et que j'avais laissé dans mes affaires. Je vois pas pourquoi. C'était la teinte 4. Et ça, je le rachèterai. De toute façon, là, d'ici quelques jours, il faut que j'aille à Sephora, il faut que j'aille en racheter. Parce que ce matin, je devais faire mes sourcils. What? Je l'ai fait comment? J'ai plus de produits à sourcils. Ça, je les rachèterai. C'est mes bébés, c'est mes chouchous. Je les adore. Donc ça, oui, je rachèterai. Après, j'ai ce shampoing de chez Victoria's Secret que j'avais racheté à Karine de la chaîne Nous Mille Bouffes. Ce gel douche, il sent. C'était mon gel douche du dimanche. Avec le dé. C'est mon gel douche du dimanche. Enfin, c'est pas hein, c'est pas du Dove, c'est du Victoria's Secret. C'est pas. On met pas ça pour y travailler. Voilà, c'était mon gel douche du dimanche. Donc le dimanche, j'étais lavé au Victoria's Secret. Voilà. Le dimanche, c'était la douche de luxe. Et pour finir, j'ai cette mousse nettoyante pour visage de ces Origins. Donc c'est celle-ci. Bon, c'était un petit échantillon. Je l'ai beaucoup aimé. Elle est à la menthe. Ouais, elle était à la menthe, elle sentait la menthe et tout, écoutez. Je l'ai beaucoup aimé, j'aimais bien la sensation sur ma peau après. Est-ce que je le rachèterai ça, franchement, je ne sais pas du tout. Mais elle était bien. Voilà. Le bac est fini. On le re-remplira. Voilà, maintenant j'ai tout ça, mettre à la poubelle. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé. Dites-moi tout en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et à activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!